m'appelle Boubacar Koli, j'ai 30 ans et je joue au Canada, à Moncton, et je suis de Ziguinchor. Donc j'ai débuté à jouer le basket à Ziguinchor parce que j'étais au Saint-Sacré-Cœur de Ziguinchor. Après Ziguinchor, j'étais parti aux États-Unis, à Oak Hill, c'est dans l'état de Virginie. Donc j'ai fait mes études lycéennes aux États-Unis et j'étais parti à Xavier University. Et c'est là que j'ai eu mon bachelor et j'ai fait mes masters à Morgan State, c'est à Baltimore. Je pense que c'était de très bons matchs, donc il fallait qu'on joue avec une autre équipe pour nous retrouver et pour qu'on chasse où est-ce qu'on est et si on devrait faire plus. Ouais. Tout le monde, on est à peut-être 50% là. Oui, on est à 50% là. Pour le moment, je pense qu'il nous manque de vrais pivots. Si on a un pivot, ça va nous suffire, mais sinon l'équipe, on n'a pas le choix, on va faire avec ce qu'on a. Oui, il y a Malik Badian qui nous manque et CRSN. Et il y a un autre qui devait venir, Ibrahim Thomas. Donc Sylvain, ils vont nous aider en tout cas. Ouais. Donc pour moi c'est je veux vraiment la gagner parce que les deux dernières fois que j'ai participé dans l'Afro-Basket, on avait une très bonne équipe, mais il y avait la Côte d'Ivoire qui nous a éliminé les deux dernières années. Donc cette fois-ci on est dans le même pool, donc j'espère qu'on va s'en sortir et Inch'Allah qu'on va remporter la Coupe. Voilà, parce que l'année en 2011, on a joué des matchs amicaux avec eux en France et on les a battus pour quelques raisons. Donc le sport, c'est des fois c'est compliqué, quoi. Tout peut y arriver. Donc, moi je pense qu'on a une très bonne équipe et qu'on va jouer pour gagner la finale. Nous on va pas seulement pour participer. Le Sénégal ne part pas pour en Coupe d'Afrique pour participer, on part pour avoir de très bons résultats et je pense qu'on l'aura, Inch'Allah. Ça, c'est. Personnellement, moi, je pense que c'est l'un des plus grands problèmes du basketball au Sénégal parce qu'on a on a beaucoup de joueurs et chaque fois, on a des sélections. Donc, tu vois de nouveaux visages et il y a des gens qui ne viennent plus. Mais je pense que si la fédération. C'est quelque chose pour au moins avoir une continuation. Parce que comme ça, les jeux vont s'habituer à jouer ensemble et tout. Donc, cette année, j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec quelques juniors, les U18, et ils étaient bons. Donc, je pense que c'est une très bonne chose pour que l'entraîneur Chiasa les a invités parce qu'ils seront ils sont le futur du basket sénégalais. Donc je pense que c'est très important pour qu'on ait une continuation. Ouais. Oui, donc beaucoup de nous, on se connaît déjà. Donc on se connaît et il y a des gens qui ont joué ensemble, qui ont évolué peut-être dans les clubs, dans le championnat sénégalais, donc ils se connaissent déjà. Donc la plupart, c'est moi je me trouve comme un nouveau à chaque fois là parce que j'ai pas tellement évolué au Sénégal et j'étais à Ziguinchor, donc mais nous tous on se connaît. Ouais. Merci, Boubacar.